Dans cette vidéo, je vais vous parler de transfert et contre-transfert. Cette idée de vidéo m'est venue le jour où j'ai voulu essayer de trouver, répondre à cette question, de quelle nature doit être la relation entre la personne aidée et la personne aidante, dans le cadre d'aidant professionnel. Il faut savoir que dans toute relation humaine se crée ce qu'on appelle le transfert et le contre-transfert. C'est intéressant parce que il peut arriver, notamment dans des relations de longue durée, enfin au moins quelques mois ou quelques semaines, quelques mois, un lien d'attachement qui se crée entre la personne aidée et la personne aidante. Et pour comprendre ce qui se joue, eh bien, il faut qu'on parle de cette notion de transfert et contre-transfert. Donc, en fait, j'ai écrit un livre qui s'appelle « Est-ce que je peux partir ?» ou « Vous avez encore besoin de moi ?» enfin, sur les aidants professionnels et les aidants familiaux. En fait, je disais que les personnes aidantes sont attentives à la souffrance de la personne aidée, qui peut être une personne handicapée ou bien une personne malade. Enfin, quand elles sont bienveillantes, bien sûr. Certaines aidantes peuvent même devenir perméables aux émotions que vit le patient et y réagir de manière positive ou négative. C'est marrant parce que là je parle des aidantes qui réagissent par rapport aux émotions des personnes aidées, mais moi je serais plutôt partie à la base du transfert qu'il peut y avoir justement quand on est une personne aidée. On va avoir, quand ça se passe bien, un transfert positif, un transfert négatif quand ça ne se passe pas bien. Et c'est ce qui se joue aussi dans le cadre d'une relation psychologique, enfin, je sais comment dire, avec un psychologue par exemple. Oui, un psychologue, ce qui va vous et cette notion de transfert et contre-transfert est là pour aider justement à ce que la thérapie soit efficace. Donc je continue ce que j'ai marqué. La personne aidée, qui peut être dans la souffrance, dans la peur de ce qui l'attend, par exemple une personne qui a un cancer ou une autre maladie, se trouve en position de grande vulnérabilité. Elle peut alors éprouver le besoin de se confier, de se raccrocher à quelqu'un qui la comprend. Voilà. Mais alors, quand il y a vraiment un transfert, c'est quand c'est la personne qui est aidée qui se confie. Mais lorsqu'il y a les deux personnes qui se confient l'une à l'autre, est-ce qu'on est vraiment encore dans un transfert? Il y a un transfert, mais on est surtout après dans une relation d'amitié. Quand la personne aidante, celui d'amitié, il se confie à la personne aidée, ça devient complexe. Alors, il faut savoir quelle est la bonne distance à trouver. Donc, tout ça, c'est issu de cette thèse, de plusieurs lectures que j'ai faites, donc, où il parlait de la relation, à la nature de la relation entre l'infirmier et personne aidée. Là, moi, je vous parle de la personne, de l'usager bénéficiaire d'une aide de vie et l'aide de vie en elle-même. Voilà. Ça peut être dans toute relation, avec un psy, avec un patient. L'aidant peut ressentir un réflexe émotif de compréhension chaleureuse et de réponse positive, ce qui développe un lien affectif entre l'aidant et le soignant, et non, l'aidant ou le soignant et la personne aidée. Cette dernière projette alors sur l'aidant, ou bien le patient vis-à-vis du soignant, dans le cadre d'un infirmier et son patient, sentiment positif que l'on nomme transfert. Transfert positif en l'occurrence. Après, lorsqu'il s'agit de l'aidant ou soignant qui éprouve des sentiments particuliers pour le patient, c'est ce qu'on appelle le contre-transfert. Donc, les risques d'attachement existent pour les situations de soins à long terme ou alors dans le cadre d'une relation d'aide qui intervient au quotidien sur une longue période. Voilà, comme ce que je vous disais. Donc, c'est vraiment important de s'intéresser à ça parce que, en fait, être conscient de l'existence des transferts et des contre-transferts dans la relation d'aide, ça va permettre justement de comprendre ce qui se passe. Parce qu'il peut y arriver que une personne, bah, par exemple, la chose la plus facile à expliquer, c'est voilà, je suis en thérapie. Et il peut arriver qu'on ait l'impression de tomber amoureuse, par exemple, ou de tomber amoureux de son thérapeute. Voilà,
je vois un psy, ah, il est génial et tout, moi aussi. On sent des sentiments amoureux. Et ça, c'est bien d'en parler dans le cadre de la thérapie, parce que c'est normal. On est dans un transfert positif, et si on n'a pas conscience de ça, on peut vraiment croire qu'on est amoureux. Alors, il ne faut pas que la personne en face réponde à nos attentes, sinon, là, c'est foutu, enfin, c'est foutu. Déjà, éthiquement, elle a pas le droit de faire ça, le psychologue, mais cette notion de transfert et de contre-transfert doit permettre à la relation, à la thérapie de fonctionner. Et si le psychologue ou le psychiatre dépasse ses limites et va répondre positivement à la personne en face, ben là, c'est foutu. Enfin, comment dire, la thérapie dépasse ses limites, ça va pas aider le patient en fait. Donc en fait, les termes de transfert et contre-transfert viennent de la psychanalyse. Ils découlent des observations réalisées par Freud lors de thérapies auprès de patients. Il constatait que certaines personnes suivies par des psychiatres idéalisaient ces derniers et les voyaient comme des figures salvatrices auxquelles ils cherchaient à s'accrocher. Dans ces interactions, des réactions professionnelles de confiance, mais aussi d'attachement plus intime, s'entremêlaient. Donc ça date de Freud. De nos jours, les termes transfert et contre-transfert sont utilisés pour les différents types de relations positives ou négatives, parce qu'après on parlera du transfert négatif, c'est possible. Moi, pour moi, ça a été par exemple quand une aide de vie vient tous les matins me raconter ces trucs qui me saoulent et qu'elle me saoule, voilà, et que au final, finit par plus avoir envie qu'elle bosse pour moi, et bien là, je suis dans le transfert négatif. Voilà, bref. Il peut arriver aussi quand on est dans un transfert positif, à un moment donné, si l'autre ne répond pas à nos attentes, ouais, je suis amoureux et tout, et bien là, voilà, finalement, elle est nulle et tout, et on peut passer, basculer, transfert positif au transfert négatif. On va en reparler. Donc, on utilise ces termes transfert et contre-transfert pour les différents types de relations positives ou négatives qui s'instaurent entre le soigné et divers types de soignants, tels que psychiatres, médecins, mais aussi infirmières, kinés et aides de vie. Voilà. La raison en est leur proximité avec les patients, la relation de confiance qui caractérise leur contact et les soins physiques qu'elles dispensent. C'est sûr que si en plus il y a se toucher, par exemple, dans le cas du kiné, les massages, moi je sais que mon ancienne kiné que j'ai vue ben juste après le boost de cortisone que j'avais fait en 2007, j'étais là, ma kiné elle est géniale. Parce qu'en fait, du fait de ces massages, jusqu'à des séances que j'avais droit quand même 2 heures par semaine, c'était beaucoup pour moi qui étais seule avec mes parents. Et en plus, je discutais avec elle, on s'entendait bien. Elle était jeune, plus jeune que moi d'ailleurs. Eh bien, elle m'a permis de me remettre sur pied. À l'époque, j'avais la frousse de plus pouvoir marcher, d'être en fauteuil roulant. Et quand j'ai, elle m'a, je suis, c'est grâce à elle que je reprends vie. Et donc, elle était. Voilà. Et grâce à maintenant, je comprends que c'était le transfert positif finalement. Et bref. Alors, le terme transfert recouvre à la fois la projection des émotions positives ou négatives ressenties par le patient ou celui du soignant ou de l'aidant qui prend soin de lui, mais aussi le déplacement sur lui des pensées, des désirs et des sentiments du patient en quête de soutien. Je vais vous expliquer comment ça se fonctionne. La fragilité du patient qui cherche un appui émotif chez une infirmière ou autre soignant qui s'occupe de lui s'explique par sa situation de souffrance en attente d'aide et qui ravive inconsciemment en lui des émotions et des sentiments qu'il a déjà éprouvés à l'égard de personnes ayant joué un rôle important dans son enfance ou au cours de sa vie. C'est pour ça qu'on a l'impression un peu, comment dire, c'est comme si on tombait en enfance, quoi. Comme un enfant qui, face à un moment difficile, il a le soutien, l'affection de sa mère, par exemple. Donc, je vous explique. Dans un moment de difficulté qui le rend vulnérable, le patient, lorsqu'il vit l'expérience d'une relation de soins chaleureuse et aidante avec le soignant ou l'aidant, peut renouer inconsciemment avec la douceur d'une protection, d'un état affectif autrefois inspiré par ses parents ou autre personne clé de sa vie. Dans le transfert positif, l'infirmière ou l'aidante est idéalisée et porteuse de qualités appartenant à des figures significatives de la vie antérieure des soignés. Le patient ou l'aidé ressent de nouveau inconsciemment
les émotions que ces figures exemplaires suscitaient. L'inconscience du transfert et la réminiscence au présent de ces émotions et sentiments lors d'une relation de soins peuvent surprendre, comme tout ce qui touche au domaine de l'inconscient étonne et interroge. Il nous faut réaliser que dès les premiers moments d'une quelconque rencontre se manifeste un phénomène de projection, un processus qui, à notre insu, fait surgir en nous des impressions, des ressentis qui génèrent des affects positifs ou négatifs. Qui n'a jamais eu cette impression, justement, telle personne, je ne peux pas le sentir. Alors, on ne le connaît pas, au contraire, on a un élan positif à cette personne. C'est ça qui s'est passé, une projection. Donc, certaines personnes soignées, rassurées, réconfortées par le professionnalisme qui émane de la soignante ou de l'aidante, et par sa compréhension chaleureuse de leurs difficultés, on se sent écouté par exemple, projettent sur elle les affects de plus en plus forts et peuvent s'imaginer qu'elle partage le même sentiment, voilà, que le retour est le même. Il est important de connaître et comprendre ces réactions de transfert et de contre-transfert qui sont des réactions émotives réelles et parfaitement humaines auxquelles on n'accorde pas suffisamment d'importance dans tous les métiers liés aux soins ou à l'aide humaine. Étant des réactions affectives inconscientes, elles ne sont pas toujours perceptibles par la personne qui les vit. Pourtant, certains de ces phénomènes sont si importants qu'ils risquent de générer de la part et d'autre des réactions potentiellement délétères, chagrin d'amour, déception, aversion tenace, jalousie, et même entraîner pour la soignante des risques éthiques pouvant s'avérer professionnellement délictueux et blâmables sans que cela soit voulu. Parce qu'après, on va parler de contre-transfert. Le contre-transfert, ça va être l'affect que va avoir la personne en face, c'est-à-dire, je suis aidée, j'ai un transfert positif vers la personne qui m'aide. La personne qui m'aide, elle peut aussi ressentir un transfert vis-à-vis de moi, par exemple. Et là, c'est ce qu'on appelle le contre-transfert. Alors, si elle ne met pas de limite, ce qui peut arriver facilement d'ailleurs, eh bien, ça peut être troublant pour la personne qui est aidée. Parce que finalement, il ne faut pas qu'elle réponde à notre attente trop. Comment dire ? C'est compliqué à expliquer, je continue. Donc, la soignante prend figure de bouée de sauvetage à laquelle il s'accroche. Par exemple, les personnes en fin de vie, un enfant malade en quête d'affection, un patient désespéré en recherche de soutien. Ce phénomène de transfert dépend de deux mécanismes inconscients. Donc, d'abord, identification, qui constitue la première manifestation d'un attachement affectif à une autre personne. Donc un modèle à imiter, projection, qui est la manifestation inverse, par laquelle le sujet projette ou attribue à autrui des caractéristiques qui lui sont propres et qui refuse en lui. Le soignant et ou l'aidant professionnel se doit de fixer des limites objectives et claires. En psychanalyse, le transfert fonctionne comme une résistance. Le patient répète sur le soignant son vécu infantile. C'est par l'intermédiaire du transfert que le patient reprend confiance en lui et qu'il appréhende son histoire et son vécu personnel. Le transfert doit toujours être interprété par le patient et les soignants pour qu'il puisse être dépassé à la fin de la cure psychanalytique. Donc c'est vraiment important d'être conscient de ces phénomènes de transfert et contre-transfert. Donc, quand ça vous arrive, dans le cas d'une cure psychanalytique, vous avez un sentiment positif envers votre thérapeute. Il faut le lui dire pour que vous puissiez en parler ensemble. Donc, quand une personne intervient, par exemple, dans mon domicile, sur une longue durée, et que, par exemple, moi, j'ai été face au deuil de ma mère, au départ de mon père, j'ai des émotions, il y a ma maladie qui s'aggrave, et bien, forcément, on est là, il y a une personne en face qui a l'air de nous être à notre écoute, qui est bienveillante, qui nous écoute, on s'en raccroche à elle, quoi, et forcément, et que quand elle n'est pas là, on se sent mal, et que, voilà. Mais et surtout, encore plus, quand la personne, elle dit, j'ai une maison de vie qui a reconnu, qui a dit, oui, c'est peut-être pas bien, mais oui, j'ai dépassé la relation professionnelle, et on est devenu amis, quoi. Sauf que quand je l'appelle, on ne va pas dire que c'est vraiment une amie. Et c'est compliqué pour moi à gérer ça. Et ça aurait peut-être été mieux qu'elle mette la limite, comme on fait les autres. Mais en même temps, moi, c'est pas moi qui allais mettre la limite parce que je suis bien contente d'avoir une amie à domicile, quoi. Je suis fière ça comme ça. Mais des fois, par exemple, quand elle part en vacances 2 mois, ça me fait lourd à vivre.
Donc voilà, donc voilà. Transfert et contre-transfert posent les limites de la juste distance thérapeutique. Donc il peut avoir des effets positifs. Moi, ça m'a aidé. Ça m'a aidé. Mais ça peut être aussi dangereux. Parce que, comme voilà, elle est dialysée, du coup, bah, si elle fait une connerie, je vais être trop sympa. Je perds un peu mon bon sens. Ça, c'est plus. Ce qui est possible de faire dans une relation soignant-patient, où une fois le patient soigné, l'infirmière se voit confier d'autres malades, ne l'est pas dans la relation aidante-professionnelle, personne aidée. Il ne s'agit pas d'intervenir chez la personne dépendante pour la durée d'un traitement prescrit. Oui, voilà. Pour une infirmière, c'est plus simple parce que c'est le traitement conçu. Là, ça va être des années, ça peut être à vie qu'une vie vienne à son domicile. Donc voilà. Bref, si vous avez des questions par rapport à cette notion de transfert contre transfert, n'hésitez pas. On peut en discuter dans les commentaires sous la vidéo. Et voilà. Donc si vous n'êtes pas abonné, pensez à vous abonner. À bientôt.